Je voulais continuer les racines d'amour donc de Wang Tongyu. Et j'ai pété le dos par deux fois. Voilà, grosse boulette. Voilà, tout ça parce que je voulais un petit peu écarter et j'ai pété le dos du livre. Super. Et comme c'est pas tout, bah quand on ouvre le livre, et bah voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je suis super contente de ma bêtise. Et puis voilà. Donc je suis mais carrément mais dégoûtée de ma boulette. C'est la première fois que ça m'arrive que je pète le dos comme ça en deux fois et puis que ça me fait ça à l'intérieur. Je sais pas comment ils font leurs livres, mais voilà, bah dès qu'on écarte, donc là ça va, mais dès qu'on écarte un peu trop, bah voilà, je pète tout grosse boulet. Donc c'est pour ça que je préfère les livres souples qui n'ont pas cette espèce de truc où le dos risque de se péter à tout moment. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé de casser le dos de votre livre et d'être dégoûté comme ça. C'est pas qu'un peu quoi. Mon livre. Moi je voulais qu'il reste comme ça. Pas comme ça. Enfin voilà. Voilà la boulette. Donc, mis à part le fait que j'ai pété mon livre, les poèmes sont vachement, mais vachement bien et ils sont hyper touchants. J'ai jamais lu de la poésie comme celle-là en fait. J'ai commencé hier parce que j'avais fait le podcast et mince, voilà, j'ai perdu ma page que je voulais vous montrer. Donc c'est un gros fail, super. Ah oui, c'est là où j'ai répété le livre, bien sûr. Ici, il parle de sa vision de la mort. Alors, si vous voulez lire, je vous laisserai faire pause. Mais j'ai trouvé ça assez particulier et drôlement bien fait parce que donc là nous avons toute la biographie donc de l'auteur. Ensuite on retrouve des œuvres, il y a quelques avis aussi à la fin et les poèmes mais ils sont juste mais trop beaux. Je vais vous en mettre un au hasard que j'ai pas lu d'ailleurs. Donc voilà, je vous mets celui-là et je vous laisserai faire pause. Je vais pas vous le lire mais voilà, c'en est un qui est le plus connu je crois. Il a fait beaucoup parler celui-là. Pour finir, je disais donc, parce que les stories ont bugué, que je n'avais jamais lu de poème où il n'y avait pas de rime. Et ça fait très très bizarre, mais je trouve ce style très charmant. Voilà, je vous fais des bisous. Ils veulent lire avant moi. Pourquoi? Tiens, je te le laisse. Hé, hey, mords pas! Ça pas, non. Non, sinon j'ai acheté ça. Voilà. Il n'est pas dans le book haul parce que bah, je viens de l'acheter quoi. Et c'est écrit, mais hyper gros. J'ai hâte de le lire aussi. Je te laisse le résumé pour que tu puisses faire pause et lire. Et donc voilà, il m'intéressait beaucoup, 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 beaucoup. Ça faisait un moment que je voulais l'acheter. Et puis bah le voilà quoi. Un résumé rapide donc de mes lectures, donc le combat des journalistes de Donga avec le sujet très important du contrôle des médias et du gouvernement, sujet très sensible dont je vous parlerai dans la vidéo sur le théâtre. Et donc aux éditions Tourment, pardon, Compte à rebours de Régine Gluquen que je n'ai toujours pas continué depuis la dernière fois. Il faut que je m'y remette, je vais vous mettre le résumé d'ailleurs. Mais je vais essayer de terminer ces deux livres-là cette semaine et ce week-end. Donc ça, c'est le radotage d'une clochette, hein, forcément. J'oublie, il faut que je vous parle de ce livre. Je suis petite, moi, donc qui est traduit en français et en coréen. Je ne sais pas si c'est de la littérature, pardon, décidément, purement coréenne. Je ne pense pas vu le nom de l'auteur. Mais et si vous avez regardé le book haul, vous savez que j'ai privilégié donc les enfants ce mois-ci. Pour le mois de février, et que donc je l'aurais déjà lu ce livre-là. J'ai trouvé les dessins mais tellement beaux. J'ai trouvé les dessins tellement beaux, et la morale de l'histoire est tellement vraie, et c'est tellement adorable d'avoir fait un livre sur ce sujet-là, de savoir ce qui est plus grand ou plus petit que soi. Je sais que Théo a beaucoup, beaucoup aimé cette histoire et il a adoré les dessins et il le regarde encore. Il m'a encore demandé de le lire la dernière fois. Mais ouais, ce livre est tellement bien pour les enfants.
Si j'en parle, c'est pas non plus par hasard, c'est aussi parce que je sais que certaines d'entre vous aiment la littérature jeunesse, donc pour les enfants, et je pense qu'il pourrait vraiment vous intéresser, soit pour vos enfants ou votre petite sœur, cousin, cousin, cousine, etc. Enfin bref, les dessins, mais regardez-moi ces dessins quoi, ils sont tellement mais adorables, c'est tellement joli. Donc voilà, je suis petite moi, Dieka Diaknayo. Donc l'auteur, donc c'est Philippe Winterberg et Nadia Wishman, je crois que c'est l'illustratrice. Et donc je l'avais pris sur Amazon. Regardez-moi ça. Mais il est pas beau ce dessin, franchement. Je l'ai trouvé super bien fait. Et pour finir, je sais pas si on peut voir. Non, c'est pas là. Attends. Just wait par deux. Il y a pas. Ah non, il y a pas les autres titres. Bon, pas les autres titres disponibles. Mais là, on voit qu'il a été traduit dans énormément de langues. Vous pouvez le retrouver, mais dans plein, plein, plein de langues, quoi. Et donc moi, bah, j'ai choisi coréen, forcément. Avec celui-là, je vous refais un point rapide. J'avais pris Dorbien Petit Loup, qui est pas de la même collection, mais qui est extrêmement beau aussi, visuellement. Et l'histoire, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vous en parle pas. Il y a celui-ci qui est de la même collection, qui est différent, mais les... Donc, je bafouille. Les dessins sont toujours aussi beaux, quoi. Donc ça rentre et ça sort. Il y avait aussi ce conte coréen apparemment qui a été traduit, donc Les Cygnes Sauvages, que je n'ai pas encore lu. Et ensuite, le plus intéressant, c'est Egbert Rougy, où c'est aussi un livre de coloriage en plus d'être un conte pour enfants. Et celui-là, c'est mon préféré, il est tellement bien. Là, c'est mon préféré parce que il mêle à la fois la créativité de l'enfant et bah, l'attention de l'enfant, parce qu'il y a une histoire et il peut colorier suivant l'histoire, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant et très ludique. Encore deux pour finir ce récap sur la littérature jeunesse coréenne. Donc 5 mètres de temps où les dessins sont complètement différents. Là par contre, je les ai trouvés moins bien jolis, mais moins bien réussis. Et le dernier, qui est une littérature typiquement coréenne, puisque l'île, enfin Jeju, c'est une île coréenne, qui est à côté de la Corée, quoi, pas loin. Donc le mystère de Jeju, qui regroupe vraiment un conte coréen. Décidément, l'arthrose, ça fait pas du bien aujourd'hui. Bref, donc qui est typiquement un conte coréen, et celui-là, pour l'avoir lu, à part pas aux enfants encore, je l'ai trouvé très spécial. Avec une très belle morale. Je vais leur lire et puis je reviendrai pour vous dire ce qu'ils en pensent. Donc pour ceux qui sont amateurs ou fans de contes étrangers, je vous recommande fortement celui-ci parce que c'est vraiment un conte typiquement coréen qui a une bonne morale et qui est très bien. Donc ça c'était pour le point littérature jeunesse des livres que j'avais lus parce que je voulais en parler rapidement par ici. Parce que je ne sais pas si vous avez été voir le Book Haul ou pas. Donc voilà. Mais je voulais surtout parler de celui-là avec une très belle morale. Ce qui est plus petit que soi. Et plus petit que soi ou plus grand. Je ne sais pas si mon Insta s'est coupé au moment où je parlais ou pas. Donc voilà. Donc cette fois, je vous laisse et je vous fais des bisous. À demain. À demain ou je sais pas quand. Je vous fais juste des bisous quoi parce que je sais pas quand je reviens en fait. Je dis à demain mais si je reviens pas demain en fait ça sert à rien. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très 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 bientôt sur Instagram ou YouTube ou partout.